Bonsoir, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne voulais pas mettre ce genre de musique, mais le souci c'est que quand tu vas mettre une musique qui n'est pas, tu n'as pas le droit d'auteur, ça va te créer des problèmes après. Donc on va essayer celle-là. Mettez les cœurs. Partagez, 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 mettez le cœur, 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 partagez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le direct? Partage, 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 partage. Partage, mets les cœurs. 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 C'est qui est en train de partager? Que Dieu te bénisse. Partage. Mets le cœur. Partage. Mets le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage là? On va augmenter le son. Hein? Il y a un temps pour tout. Un temps pour se réjouir, un temps pour se détendre, un temps pour prier, un temps pour danser. Et partage, oh, mets le cœur. Ah, le bishop Melchisedec est dans la place. Quelque chose va se passer. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Je dis, c'est pas simple. L'histoire est compliquée. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas simple. C'est compliqué. Partage. Hey, 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 ça va chauffer. Je suis venu bombarder le petit là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, je ne sors jamais pour rien. Je suis venu bombarder quelqu'un. Qui a partagé? Qui a partagé? Qui a partagé? Qui a partagé? Partage, 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 partage. Et mettez les cœurs. La joie est une force. Dieu se trouve dans la joie. Mon épaule. Mon épaule. Épaule droite. Et mon épaule. Et mon épaule. Épaule gauche. Yeah! Mes deux épaules là. Ça me secoue, hein. Ah, bisous, merci, Zélec. On dirait que tu es rentré dans l'air en fait de couper, décaler là. Hein. Mais ça là, c'est pas bon pour toi. Hein. Prêche l'évangile, c'est mieux.
Mais je vais guérir. 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 Atia normal, il va guérir. Atia normal, il va guérir. Atia normal, il va guérir. Hey. Affaire réglée, c'est fini. Kouma Bana. Maintenant, on va parler. Que Dieu vous bénisse. Et j'aime vous bénir à chaque fois que je commence quelque chose. Je vais être bref. J'ai déjà pris un petit temps pour chanter un peu, même si je ne suis pas un chanteur. Je suis venu intervenir un peu dans cette histoire de Managia confirmé, Morissette. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est devenue le chantier du buzz. La Côte d'Ivoire, quand tu te lèves chaque matin, s'il n'y a pas buzz, c'est qu'ils sont en train de chercher buzz. C'est-à-dire que les gens sont assoiffés de buzz. Le buzz est devenu aujourd'hui... ce qui donne à manger aux gens en Côte d'Ivoire. Yeah, buzz. Si buzz. Buzz est devenu quelque chose, hein. Alors, depuis hier, j'entends des histoires sur l'histoire de notre jeune frère Managia confirmé. Ce jeune homme qu'on a tous défendu ici. Et cette jeune fille, notre petite sœur Morissette. Ah, sincèrement, moi, je rentre pas dans ce genre de problème. Mais si je viens intervenir, c'est parce que j'ai entendu Monsieur Makassa Makassi. J'ai entendu Makassa Makassi ouvrir sa bouche. Donc, quand Makoso a ouvert sa bouche, puisque Makoso se fait appeler pasteur, Makoso n'est pas pasteur, mais il se fait appeler pasteur. Et quand Makoso a ouvert sa bouche, je dis bon. Je voulais pas parler. Mais comme Makoso a ouvert sa bouche, je vais venir parler. C'est ça le problème, quoi. Si Makoso n'avait pas parlé, j'allais pas ouvrir ma bouche. Parce que ça, c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème, c'est pas mon histoire. Mais comme Makoso a ouvert sa bouche, je vais venir parler. Parce que je suis le scanner de Makoso. Je suis le détecteur, c'est-à-dire que je suis la machine d'échographie de Makoso. C'est-à-dire quand il respire, là, tous les mouvements de sa respiration, je sais ce que ça veut dire. Je suis venu le démonter par rapport à cette histoire. Je suis venu démonter Makassa Makassi Makoso. La bouche, on dirait cul de hippopotame. Hippopotame constipé, hippopotame qui a hémorroïde. Sa bouche ressemble à hippopotame qui a hémorroïde. C'est moi qui ai dit ça. Donc, je suis venu le démonter. Parce que c'est un bâtard. Et c'est pas prière, je suis venu faire. C'est un imbécile. C'est quelqu'un, il est maudit. C'est-à-dire qu'il est, avant que même on le mette dans le ventre de sa maman, Dieu l'a dit, toi, je te maudis. Quand vous voyez que sa bouche est tordue, c'est pas Dieu l'a giflé avant qu'il rentre dans le ventre de sa mère. C'est un bâtard. Comme il dit qu'il est pasteur. Et puis, il n'y a pas un pasteur qui peut parler contre lui. C'est moi, c'est anormal. Je me suis porté garant pour parler contre ce petit maudit. Un petit maudit, jusqu'à l'ascara, je suis collé à son dos. Et il ne peut pas le laisser. Il dit à bobo. Lui, c'est même pas ta soeur. J'ai des gens, il ne connaît même pas. Quand il fait, j'ai des gens, on dirait, on était en train de sauter. On dit, on dirait quelqu'un qu'on pousse. Et viens, le vieux père, il te montre, j'ai des gens. Bah, nous, on est nés dedans même. On a grandi dedans. Un menteur comme ça. Un menteur. Je vais vous montrer une vidéo. Pourquoi je suis venu prêcher. C'est pas prêcher. Je suis venu parler. Quand vous voyez, vous remarquez qu'il porte lunettes noires. C'est il y a quelque chose, hein. Makoso sort sa bouche. C'est-à-dire que, il y a des gens ici qu'on n'a jamais vu. Hippopotame constipé. C'est-à-dire hippopotame qui a eu et mourir. La vieille mère hippopotame, quand elle a mouru, de toute façon, son cul est vilain.
Ça ressort dans la bouche de Marcos. Un menteur, un maudit. Son cerveau est maudit, sa tête est maudite, son ventre est maudit, son tout est maudit. Ça y est, c'est un enfant. Avant que Dieu ne décide qu'il rentre dans le ventre de sa mère, Dieu l'a giflé. Là, la bouche est tordue en même temps. Quoi. C'est moi aussi qui vais vous dire ça. Regardez. Il y a un imbécile comme ça. Il vient raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Il a augmenté le son de mon téléphone. On va gérer cette histoire-là. Petit, à chaque fois que tu sors pour raconter des mensonges, un tien normal va venir. Je n'aime pas ça. Écoutez cette histoire. Il y a un individu maudit, un mendiant, qui est sur les réseaux sociaux qui se joue, qui se dit être le manager des managers confiés. Oh, c'est ça que je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de choses. Je suis sérieux, je n'aime pas ça. Excusez-moi, on va reprendre. Ce jour, voilà. Qui s'est dit être le manager des managers confinés en France, un soi-disant quelque chose, pas que le même animal avait annoncé sur sa toile que le président Henri Konan Bédié, un pépé, était décédé. Ok, j'arrête là un instant. Makoso, quand il dit qu'il y a un petit quelque chose qui s'appelle quelque chose Parker, c'est le petit frère, il s'appelle Charlie Parker. C'est vrai, moi je l'ai vu faire des directs sur la politique. Il a attaqué Soro Guillaume, il a attaqué Henri Konan Bédié. Bon, il est dû, il supporte les RHDP, il supporte Alassane Dama Ouattara, c'est normal. Mais toi là, tu ne peux pas venir prendre ça pour parler ici. Tu veux maman qui ici? On vend. Toi, Marco, sur ta bouche pourrie, tes dents pourries. Tu n'as pas parlé mal de Henri Konan Bédié. Il te rappelle pas. Tu te rappelles pas que tu as insulté Gbagbo. Tu as insulté Henri Konan Bédié. Tu as insulté Simon Gbagbo. Marco, ton nire. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Il ne voulait pas qu'il se dirait que ça revient. L'enfant l'a vraiment contenu ma bouche. J'ai dit, Marozo, quand ça embaoulé, ce n'est pas un jeu. Quand ça embaoulé, là, ce n'est pas un jeu. On vend. Marozo, toi, tu as attaqué Henri Konan Bédié, tu as insulté Henri Konan Bédié. Même quand on a versé, les gens ont versé sang devant Henri Konan Bédié. Tu défendais les gens. Pendant la crise, là, pendant l'histoire du troisième mandat, là, tu es venu parler d'Henri Konan Bédié comme si ce n'est pas quelqu'un. Toi, tu vas venir faire style qu'il a parlé mal d'Henri Konan. Et alors, on s'en fout? On s'en fout. Vous êtes combien qui avez parlé mal de Gbagbo, d'Henri Konan Bédié, de Simon Gbagbo, de Soro Guillaume, de tout ça? Vous êtes combien? Donc, ne viens pas faire ici aujourd'hui la personne. Et mettez mes cœurs. Mettez mes cœurs. Pas ici, je vais me fâcher. Mettez mes cœurs. Mettez mes cœurs. Faites monter le mercure ici, hein. Faites monter le mercure. Hein. Si j'ai laissé ma cause, c'est vous, il y a 15 ans. Mettez le cœur ici. Par là, là, je ne suis pas en position de. Je plaisante. Hein. Toi, tu as parlé mal d'Henri Konan Bédié. Tu as insulté Henri Konan Bédié. Tu as traité Henri Konan Bédié comme un moins que rien. Et tu viens parler ici aujourd'hui comme si tu es quelqu'un qui l'a respecté. Tu respectes quand Henri Konan Bédié, menteur, mamailleur, petit bata maudit, c'est moi qui dis ça, celui qui n'est pas content, faut même plus va me dire bonjour. Je dis, tu es un menteur, tu es un bâtard, tu es maudit. Tu es maudit, ton cerveau est maudit. Tout ce qui est en toi est maudit, tout ce qui te concerne est maudit. Tu es maudit, ça tient normal qu'il te dise ça, tu mens. On continue. Quand quelqu'un est un menteur, animé d'un esprit maudit, toi, tu es un menteur. Toi, tu es animé d'un esprit babieta kanaka modiate. Hein, petit? Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas encore fait plus en service. Petit, de façon, je déjà, je te fracasser. Ma tête là, mitinga. Fasse shotinga de tout ça. Baga, écraser ça en deux. Petit, je te frapponné. Peut-être que ce jour-là, c'est sur de bonne humeur, ça va se régler tranquillement, quoi. Mais si c'est un sou, yeah! Petit, je vais te montrer. Je vais te montrer
dis que lui, il est menteur. Que Charlie Parker, là, il est menteur. Je ne suis pas venu défendre Charlie Parker. Mais comment un menteur comme toi, un voleur, un escroc, ta soeur vole, elle est escroc. Tes enfants, tu les as pris à voler, ils sont escrocs. Ton papa vole, il est escroc. Ta maman vole, elle est escroc. Ta famille vole. Vous êtes une famille d'escrocs et de nilins croués. Toi, tu viens t'arrêter pour dire à quelqu'un que lui ment. Mettez mes cœurs. Pas un petit là, il m'a fait, il m'a réveillé. C'est tout à fait normal qu'il soit maudit et qu'il pose des actions de malédiction. Le méchant avait fait une vidéo dans laquelle il disait, oh voilà, si vous voyez plus Moïse avec Managa confirmé, c'est parce que depuis le jour où ils sont arrivés chez Makoso, Makoso mange la fille, Makoso l'entretient, Makoso lui donne beaucoup d'argent, Makoso gère la petite, c'est Makoso qui a séparé entre les deux. Mm-hmm. Moïse. C'est Makoso qui a séparé entre Morissette et Managa confirmé. Je vais expliquer ça tout à l'heure. J'ai crié un peu, mais attendez, je vais boire de l'eau et puis j'ai pu crier. Je vais boire de l'eau. Mon cœur s'est posé. Je vais plus crier et parler maintenant. Makoso dit que il y a le jeune homme qui s'appelle Parker. Charlie Parker qui dit que c'est lui qui a séparé entre Morissette et Managa confirmé. Mais Makoso est bête. Donc dans les paroles de Makoso lui-même, Makoso va se dénoncer. Makoso lui-même va se dénoncer sans que vous vous rendez compte. Makoso va révéler réellement la vérité de l'histoire. Comme ça, tout le monde est au courant et puis on emballe bleu. On passe à autre chose. Cherchez un autre buzz. Bah, un buzz de ça, là, c'est bon, calmé. La petite Morissette, là, elle fait pitié. Elle se cherche. Il peut avoir un bruit entre deux personnes. Morissette n'est pas venue avec une mauvaise intention d'aider Managa confirmé. Moi, je me suis posé. J'ai fini de crier sur Makoso. Maintenant, je vais vous parler. Je n'aime pas que les gens prennent tout pour tout. Managa confirmé même là, c'est parce que on a dit que DJ Congélateur a été ingrat envers lui, que beaucoup de gens ont soutenu Managa confirmé. Donc aujourd'hui là, Morissette, on sait bien que elle a fait vraiment la publicité de ce homme. Elle s'est investie. Entre la langue et la dent là, il peut avoir des problèmes, mais ils sont dans la même bouche. C'est pas, deux personnes peuvent se connaître, passer un chemin ensemble, faire un chemin ensemble, et puis se disputer, ou bien quelque chose peut arriver. Ça ne fait pas forcément deux des ennemis. Donc, les gens doivent chercher plutôt à arranger que de défendre un tel, et de crier sur cette jeune fille. Moi, je ne suis pas d'accord de voir que tout le monde est en train de crier sur Morissette. Elle a tué qui, en fait? Je ne suis pas en train de la défendre. Je veux que cette fois-ci-là, parce que cette jeune fille-là, j'avais remarqué dans un reportage, sur un plateau télé, elle expliquait qu'elle avait eu des soucis. Vous ne connaissez pas le problème des gens. Vous allez faire jusqu'à si la petite fille-là, elle ne peut pas supporter vos pressions-là, et qu'elle va se suicider demain, et qu'on voit, qu'on entend qu'il y a un malheur demain, vous tous qui êtes en train de parler, là, vous allez avoir des problèmes. Votre conscience va vous gronder. Qui parmi vous a pris cette fille de côté pour lui poser des questions? Qui parmi vous a pris cet enfant-là pour lui demander, hey, Morissette, qu'est-ce qui se passe? Vous venez comme ça, les gens, vous criez, Morissette par-ci, Morissette par-là, Morissette par-ci. C'est dans une bonne intention qu'elle est venue vers Managa confirmé. Mais les gens, la même manière, on a mélangé Managa confirmé avec DJ Congélateur. Et je ne vois pas mes cœurs là. De la même manière qu'on les a mélangés, c'est de la même manière qu'aujourd'hui,
j'ai l'impression que ça recommence encore avec Manaja confirmé et Morissette. Hein? Cette fille-là, elle fait pitié. Elle fait pitié. Vous là, elle est inoffensive. Elle fait pitié. Même si elle a fait une erreur là, allez-y doucement. C'est les gens comme les Makosso là. C'est eux que vous devrez attaquer. Écoutez bien ce que je vais vous montrer ici. Écoutez bien. J'ai crié un peu parce que j'étais énervé. Maintenant, bon, je me suis dit, comme tu es un homme de Dieu, il y a beaucoup de gens qui te respectent, qui t'écoutent. Il faut te calmer, puis tu vas expliquer, tu vas quitter là. Sinon, de toute façon, j'allais allumer Makosso ce soir-là. Mais je me calme, je vais continuer. Voilà, ça c'est le truc. Excusez-moi. Dis la vérité. Et je pense que même le timing est mauvais. Parce que Morissette, aujourd'hui, on te verra comme étant une fille sorcière. Pourquoi? C'est quand Manaja a confirmé maintenant son étoile brille, qu'il va maintenant en France, que toi, tu viens faire vidéo, émission, pour dire qu'il t'a abandonné, comme si c'est un ingrat. Les gens vont se retenir contre toi. Le timing n'est pas bon. Dans la vie, souvent, c'est pas tout on dit. Dans le direct que j'ai eu à faire avec Manaja confirmé et sur Morissette, écoutez. J'ai même vu Aya Robert qui disait, oui, la fille là devait sortir, mais tu as dit aux autres, partez, Morissette, toi, faut rester. Makosso, tu voulais manger la petite. Je n'ai jamais parlé. Le pourquoi j'ai demandé à Morissette de rester, personne ne le sait. Et je vais vous le dire. Écoutez d'abord, je vais terminer. Quand on faisait le direct, mettez le cœur en écoutant. Mettez le cœur. Elle était derrière la caméra. Et comme c'est la seule fille parmi les garçons, parce qu'il y avait des garçons qui venaient autour de Manaja, ils étaient beaucoup agités. Voilà, c'est comme ils ont un nouveau mouvement. Et non, ils sont beaucoup agités. Et j'ai écoutez, vu hein. Que la fille était beaucoup crispée. Et je lui ai demandé, si ceux qui ont suivi le direct encore sur la page, est-ce que tout va bien? Est-ce que Manaja s'occupe bien de toi? Est-ce qu'il est reconnaissant pour tout le travail que tu fais? Et puis elle a fait ça. Oui, oui. Il est reconnaissant. Mais dans sa manière de répondre, j'ai senti qu'elle a simplement dit oui. Mettez le cœur. À la caméra et par rapport à ceux qui suivaient. Mettez le cœur. Donc j'ai senti qu'il y a quelque chose. Donc j'ai demandé à Morissette de rester. Parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe et lui donner des conseils. Quand elle est restée, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle a coulé des larmes. Elle m'a dit de la manière dont les autres la traitent. C'est comme. Bon, déjà, je m'arrête là un instant avant de continuer avec ses propos mensongers. Makosso dit que Makosso en train de se dévoiler. Moi, j'ai dit Makosso, même quand il respire, je sais pourquoi il respire. Makosso dit que le jour que lui, il a reçu Morissette et Manaja confirmé, apparemment, il a ressenti que Morissette n'était pas à l'aise. Et qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je vais raccourcir tout ce dit-là. Donc, lui, Makosso, il a posé des questions à Morissette en lui demandant, est-ce que ça va? Est-ce que Manaja s'occupe bien de toi? Est-ce que ça va? Mais il y a une chose que je vais souligner avant de continuer. Makosso est malade, il est bête. Au moment où Morissette est venu vers Makosso, vers Manaja confirmé, en ce moment, Manaja confirmé était celui qui était la victime. Manaja confirmé pleurait. Manaja confirmé a été abandonné. Hein? Manaja confirmé était, comme on appelle, la personne qui était la victime. Donc, Morissette est venu jouer le rôle de la personne qui est venue pour soutenir, de la manière que, comment il s'appelle, Kérosène, beaucoup de personnes sont venues soutenir Manaja confirmé. Morissette est venu jouer son rôle. Mais je ne comprends pas pourquoi Makosso est en train de dire ici que lui, il a posé la question à Morissette, est-ce qu'il s'occupe bien de toi? En ce moment, Manaja confirmé n'avait rien. Manaja confirmé venait d'être abandonné. Manaja confirmé venait d'être délaissé. Il pleurait. Tout le monde était en train de le consoler. Et c'est dans ce but, il paraît que Makosso les avait reçus chez lui pour aussi jouer un rôle de consolation, pour essayer apparemment de le consoler comme tout le monde consolait en ce moment. Tout le monde était consolé en ce moment, Manaja confirmé. Donc lui, il a reçu Manaja confirmé pour jouer son rôle, pour montrer au monde que bon, moi aussi j'ai joué un rôle. C'est dans ces conditions qu'il les a reçus.
Donc, je n'arrive pas à comprendre la question qu'il dit que lui, il a posée à Morissette en lui disant, est-ce que tout va bien? Est-ce que Manaya Confirmé s'occupe bien de toi? Mais Manaya Confirmé n'était rien en ce moment. Quand lui, Makoso, il les a reçus chez lui, Manaya Confirmé cherchait à sortir sa tête de l'eau. C'était quelqu'un que tout le monde insultait du matin au soir. C'était quelqu'un qui venait d'être abandonné par son artiste qu'il aimait. C'était quelqu'un qui pleurait que sur les réseaux sociaux, tout le monde aidait. Et c'est en ce moment qu'il les a reçus. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi Makoso dit que lui, quand il les a reçus, il a posé la question à Morissette, est-ce que tout va bien? Est-ce que Manaya Confirmé s'occupe bien de toi? Mais quand quelqu'un doit s'occuper bien de quelqu'un, c'est quand la personne même est posée. Mais une personne qui n'est pas posée, une personne qui s'en sort, qui cherche à s'en sortir. Morissette est venu dans le but. Quand on regardait Morissette à côté de Manaya Confirmé, tout le monde remerciait Morissette. Tout le monde la remerciait. Tout le monde lui disait merci. Merci parce que tu es venu l'aider. Mais pourquoi c'est la personne qui est venue aider là, à laquelle on pose la question, celui que tu es en train d'aider là, est-ce que lui s'occupe bien de toi? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Bon, c'est pour tout ça que j'ai crié un peu tout à l'heure. Parce que je n'aime pas le mensonge de ce genre-là. Mettez le cœur, ce n'est pas encore fini. Et Makoso dit, il a posé la question à Morissette. Et Makoso dit aussi que, quand il a vu ça, il a appelé Morissette de côté. Il a dit à Manaya, mais ça c'est une grande erreur. C'est même une grande erreur. Un artiste, un jeune homme est dans des problèmes. Une jeune fille dit qu'elle va le soutenir. Elle fait sa publicité en faisant une page. Tout le monde les remercie. Les deux sont unis. Avant que les deux n'arrivent chez toi à la maison Makoso, Morissette et Manaya Confirmé étaient soudés. Avant que Morissette et Manaya Confirmé ne mettent leurs pieds dans chez toi à la maison, ils étaient soudés. C'est quand ils sont sortis de chez toi qu'on n'a plus entendu parler de Morissette et que Manaya Confirmé aussi a commencé à prendre son chemin. S'il y avait un problème entre les deux, ça peut exister. Mais toi, ton rôle était quoi? Si toi, tu dis que moi, si j'avais remarqué un problème, j'ai reçu, c'était moi qui les avais reçus. J'ai remarqué que ça ne va pas. J'aurais appelé Manaya Confirmé et Morissette ensemble, tous les deux, pour leur demander comment vous fonctionnez, comment ça se passe, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Les deux se seraient exprimés. J'aurais donné des conseils aux deux. Restez unis. Ce que vous êtes en train de faire, ceci, faites cela. C'est là où on dit que quelqu'un a donné conseil à quelqu'un. Mais tu reçois deux personnes. Une jeune fille qui vient pour dire qu'elle est venue soutenir quelqu'un qui est dans la détresse. Et les deux sont chez toi. Tu fais sortir celui qui est dans la détresse. Parce que tu penses et tu prétends que la jeune fille qui est venue l'aider n'est pas à l'aise parce qu'elle est mal soutenue, elle est mal reçue. Et tu prends cette fille-là. Tu prends cette fille de côté. Et tu lui parles. Est-ce que nous, on sait ce que tu as dit? Quand on dit que tu l'as grêlé là, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas grêlé la fille là? Qu'est-ce qui prouve, Makoso, que tu n'as pas pris la chance de la fille là? Qu'est-ce qui prouve que tu n'as même pas fait la pipe? Moi, je te dis, moi, ma bouche là, quoi? Attends. Seigneur, sauve ma bouche. Attends, je bois de l'eau. C'est quand je bois l'eau là, ça cale un peu ma bouche. Je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. C'est mieux comme ça. Pas des paroles dures là, ça sort trop de ma bouche est trop. Oh. Ça va aller. Il y a des mots, faut pas sortir, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu prouves, Makoso? Quand tu as payé la fille là, tu l'as pas gré. Parce que moi, j'ai vu une vidéo où la fille là, quand elle est quittée chez toi après, elle est allée faire des dons de riz, de toi. Elle dit que c'est de la part de Makoso. Quel marché tu as traité? Et toi, tu dis que tu es un mamayeur, tu es un maudit. Partout, tu vois que tu peux profiter, tu profites. Qu'est-ce qui prouve que la fille, là, tu ne l'as pas grée?
Tu as fini de la grève, puis tu lui as dit, faut arrêter de suivre le gars là, tu perds ton temps. Toi, une jolie fille comme ça, c'est toi qui es en train de le faire aujourd'hui. Il faut te chercher. D'ailleurs, c'est ce que tu vas dire ici. Je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas manipulé le cerveau de la jeune fille? Qu'est-ce qui prouve que tu ne t'es pas dit parce qu'elle est en train de faire un peu la publicité de Maladie à confirmer et que Maladie à confirmer ne mérite pas cela, que tu voulais profiter d'elle? Parce que tu es maudit. Parce que si tu veux aider deux personnes, c'est les deux qui appellent. Tu donnes des conseils aux deux. Selon toi, quelque chose n'allait pas. Mais si tu as reçu Morissette, c'est à cause de Maladie à confirmer. C'est les deux qui sont allés te voir. Morissette accompagnait Maladie à confirmer. Tu devais appeler les deux ensemble. Fais sortir tout le reste. Dis aux autres, sortez. Tu prenais les deux, tu leur parlais. Aujourd'hui là, on n'allait pas dire que Makosa a fait ça, Makosa a fait ça. Devant les deux, tu as parlé, ils sont témoins. Mais ce que tu as dit à Morissette là, c'est Morissette seul dans sa tête qui sait ce que tu lui as dit. Ce que tu as fait à Morissette, c'est Morissette sait ce que tu lui as fait. C'est elle seule, mais elle ne va jamais dire aux gens. Elle a peur. Donc aujourd'hui là, tu viens te justifier comme si tu es un enfant de cœur. Regarde, écoute là, écoutons la suite. C'est les moins que rien. Ils ont des manières de lui parler, bon, comme si elle n'est rien en fait, quoi. Voilà. Des petites paraboles piquantes là. Et moi, même devant moi, lorsque on devait prendre la photo des familles, autre, elle est venue s'arrêter derrière, autre, elle a dit bon, allez, après il m'a dit non, viens, elle a dit madame, arrête, arrête ici, autre. Mais de la manière dont les autres parlaient, le garde-côte, je crois. J'ai senti que ça la blessait, ça la frustrait. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit les mots qui suivent. Ton destin n'est pas forcément lié à Manager. Tu es venu dans le but de l'aider. Je lui ai dit quelque chose. Ton destin n'est pas lié forcément au destin de Manager. Tu te confesses. Makosso, tu es en train de te confesser. Hein? Mais ne mets pas dans ta tête que de façon obligatoire, tu dois finir auprès de lui de voilà. Façon... Ne mets pas dans ta tête que de manière obligatoire, tu dois finir avec lui d'une manière éternelle. Et pendant ce temps, tu as appelé Morissette tout seul. Tu as appelé Morissette toute seule et tu es en train de lui dire ça. C'est entre vous deux, tous les deux. On ne sait pas si tu la tenais dans la main, si tu étais en train de caresser ses fesses en parlant, si tu touchais ses seins, si tu lui faisais du bouche à bouche. On ne sait pas si pendant ce temps, sa main était sur ta tiquette. On ne sait même pas. Mais pendant ce temps, tu étais en train de lui dire ces paroles. Et son artiste qu'elle dit qu'elle était en train de manager n'était pas là. Et tu lui disais ça. Pourquoi si tu es sincère, tu n'as pas appelé les deux? Parce que ce genre de paroles, ça peut se dire devant deux personnes. Tu aurais pu les appeler les deux pour dire, ah, manager, écoute, Morissette, elle est en train de t'aider, mais un jour, elle va prendre son chemin. Toi aussi, manager, il faut la considérer. Si demain, ça marche chez toi, il faut penser à elle. Morissette, toi aussi, il ne faut pas croire que toute ta vie est attachée à manager parce que les destins ne sont pas forcément la même chose. C'est un temps vous passez ensemble. Les deux, tu les avais parlé, tu les avais soudés. Tu dis que tu es pasteur. Tu avais prié pour les deux, là. C'est pas mieux. Tu es un menteur. C'est toi qui as changé tête de la fille, là. Tu es là peut-être pour un temps. En même temps, profite-toi aussi pour te faire des contacts, pour voler demain de tes propres sérieux. Et ça, c'est au côté frustration. Dans l'émission qu'elle a eu à faire, elle n'a pas trop parlé. Elle a souvent parlé du fait qu'on dit non, que voilà. Je pense que ce sont des détails qui ne sont plus importants. Tu as apporté quelque chose à l'artiste. Quand il dit que ce sont des détails qui ne sont plus importants, en réalité, Makosso aurait voulu que quand ils sont sortis de chez lui, Morissette puisse prendre la parole pour dire aux yeux du monde entier que Managa n'est pas bon. Manager lui a créé des problèmes, que les gens autour de manager, ça dit que qu'elle aurait dû faire la victime. Comme ça, tous ceux qui étaient en train d'aider manager confirmé allaient se retourner contre lui. Et les gens allaient commencer à dire, mais hé, hey, Morissette est en train de t'aider. Et puis toi, tu es comme ça, donc tu es un traître. Donc toi, manager confirmé, en réalité, tu es un traître. Dis que congélateur dit ça, 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 ça. Maintenant, Morissette qui est en train de t'aider là. Tu entends encore de lui faire ça. Donc, Makosso n'est pas content du fait qu'il a donné des conseils à Morissette. Quand Morissette est sortie,
Elle n'a pas eu le courage de venir sortir et puis salir manager confirmé. Il y a des gens qui se posaient des questions. Mais pourquoi on ne voit pas Morissette? Mais Morissette est où? Manager confirmé a fermé sa bouche. Morissette a fermé sa bouche. Si vous avez remarqué, un jour même, ils se sont retrouvés. Ils ont passé un petit temps ensemble. Parce que je l'ai su beaucoup. Moi, je ne suis pas buzz. Hein. Je ne suis pas buzz. Mais je l'ai su parce que quand il y a eu l'histoire de manager confirmé, je fais partie des gens qui ont reçu une parole pour les jeunes hommes. Donc, ça fait que quand il y a quelque chose, on dit manager confirmé, si vous voyez même sa chanson, je mets ça souvent pour m'amuser un peu. Quand on dit manager confirmé, j'essaie de voir c'est quoi. Parce que quelqu'un qui avait problème, tu as mis ta bouche dedans, tu veux savoir où ça en est, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas venu incriminer Morissette. Mais il y a trop de manipulateurs, trop. Makoso, c'est vraiment, c'est le fils du diable. Makoso, c'est le fils du diable. Il n'est pas bon. On ne fait pas ça. C'est lui qui les a divisés. C'est Makoso qui a mélangé la tête de Morissette. C'est Makoso qui a fait que Morissette, là, et puis Manager confirmé, là, il y a eu une distance. Mais là, il n'est pas content parce que le fait que Morissette n'a pas eu le courage de parler dès qu'elle est sortie là-bas. Et c'est aujourd'hui que... Parce que personne ne croit que Manager confirmé là, elle est en France. Personne ne croyait que Dieu allait l'élever de cette manière. Hein? Personne ne croyait. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont étonnés. Il y a même des ennemis, des gens qui parlaient mal de Manager confirmé, ils ont fermé leur bouche aujourd'hui. Personne ne savait que l'enfant allait aller au casino de Paris. Personne ne savait que l'enfant là allait frapponner comme il a fait. Ça les a surpris. C'est comme tu vois, non? Et Joseph était en prison et puis un coup il est devenu premier ministre là. C'est la même chose. Personne ne savait. On dirait la résurrection de Jésus-Christ. Donc ça les a tellement surpris. Hein? Qu'est-ce que le sultan, il a fermé sa bouche. Lolo Boton, on l'entend plus parler. Makoso lui-même, il sait ce qu'il a préparé et ça n'a pas marché. Il a fait semblant d'aider le petit. Et en voulant faire semblant d'aider le petit, il est venu les diviser. Or, lui, c'est la petite qui l'intéressait. Parce qu'il a vu que la petite faisait un peu la pub de Manager confirmé. Il s'est dit, cet enfant-là, si je la prends, pour toi, elle peut faire des choses pour moi, pour toi. Parce que lui, partout, il peut manger. Partout, il peut avoir l'argent. Partout, il peut tuer quelqu'un, blesser quelqu'un pour avoir la gloire et l'argent. Makoso est là. Donc, Morissette est sortie, elle a fermé sa bouche. Elle n'a rien dit. Morissette n'a rien dit. Donc, comme Morissette n'a rien dit, et qu'aujourd'hui, là, il y a trop de trucs, et puis elle est partie sur un plateau de télé. Effectivement, elle n'aurait pas dû aller sur le plateau de télé. Mais comme elle est partie, et que Makoso sent que son nom sort partout, il vient se justifier. Mais en se justifiant, Makoso se confesse. Il se confesse. C'est à cause de lui aussi qu'il parlait. L'artiste aujourd'hui est en train d'évoluer. Dis merci à Dieu du fait que tu as contribué. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse te voir comme étant une femme qui est frustrée, jalouse de la gloire. Bon, vous voyez, c'est ça qui a fait que j'ai intervenu tout à l'heure. Sinon, ce n'est pas dans tout que je mets ma bouche. Pour moi, c'est un problème très simple. Deux jeunes, une jeune fille a entendu un artiste en train de pleurer. Tout le monde aidait ce jeune homme. Morissette est venue pour donner un coup de main. Aujourd'hui, là, personne ne peut dire que Morissette n'a pas aidé Manager confirmé. Personne ne peut dire ça. Il faut reconnaître quand les gens font les choses, franchement. Morissette l'a aidé. Morissette l'a aidé. Elle a fait sa pub. J'ai dit, les cœurs là-haut, vous payez ça pour mettre ou bien. Les cœurs, les étoiles, les j'aime là. On vend ça maintenant. Dites-moi le prix. Je vais l'acheter aussi pour vous donner. Comme ça, vous allez déposer chez moi ici. Et là, vraiment, je ne comprends rien. On dirait que quand vous venez sur direct là, vos doigts sont coupés. Je ne comprends plus rien. Montrez-moi que vous êtes là et puis on va continuer. Donc, Morissette, c'est une jeune fille innocente. Au moment où il y a eu le problème de manager confirmé,
Il y a notre frère là, comment il s'appelle, le grouilleur, il a donné un terrain. Comment on appelle, Kérosène, il a aidé. Comment on appelle, beaucoup de gens l'ont aidé. Donc Morissette a joué son rôle. Si Manaya Kofimo aujourd'hui doit être, aller, je ne sais pas, on parle de reconnaissance. S'il doit aller chez tout le monde pour dire ouais, mais il ne va pas s'en sortir. Au départ, Morissette, elle est venue l'aider. C'est un manager confirmé qui était dans les problèmes. Mais elle, quelqu'un qui n'est pas un diviseur, tu reçois un jeune artiste qui a des problèmes, avec une jeune fille qui prétend, qui dit qu'elle est son manager, elle est en train de faire sa pub de l'aider. Et tu remarques qu'il y a une tension, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe. Si tu n'es pas un diviseur, appelle les deux. Appelle les deux pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et en tant que soi-disant quelqu'un qui veut jouer le rôle d'un père, tu donnes des conseils aux deux. Et comme tu dis que tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu pries pour les deux. Mais tu as appelé la jeune fille de côté. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y a personne. On ne sait même pas ce que tu as fait à la fille. Jusqu'aujourd'hui, là, on ne sait pas ce que... Peut-être que tu as mougou pour voler sa grâce. Et puis toi, les gens comme toi, là, c'est des dangereux, c'est des mystiques. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, par exemple, tu es rentré dans la franc-maçonnerie, là. Par exemple, tu as tué ta femme pour la gloire, là. Toi, tu es capable de mourir la petite fille, là, même un petit coup. Enfin, dans Mougouri, là, il y a des coups rapides. Dans Mougouri, là, il y a Mougouri et puis Mougouri. Il y a Mougouri, chap-chap. Vous regardez les films, vous les regardez mal. Là. Il y en a, ils sont pressés. Ils rentrent dans un petit couloir. Et puis c'est fini. Et puis il y a d'autres, eux, ils ont le temps de caresser. Et puis il y a d'autres, même, eux, ils ont le temps de faire tout. Préliminaire, plat chaud, après plat chaud, dessert, après café, après truc. Et puis il y a d'autres, eux, ils n'ont pas de temps. Et c'est une affaire de... Je regarde ici, attends, viens ici. Ceux qui font... Par exemple, les gens qui font chat noir. Quand vous avez remarqué les gens qui font chat noir, là, eux n'ont pas de temps. Hein. Eux, ils vont tous, ils font... Quand ils arrivent, et puis, ils s'échappent. Donc, peut-être que quand tu es appelé la gola même, là, au moins les autres étaient en là-bas, mais t'as, oh, tourne-toi ici, on à manière de chat noir pleine journée, tu as dévoré ça, tu as pris la petite grâce qui était cachée en elle. Ma casa. Et puis, tu dis, mais oui, de toute façon, il te mougou là, faut pas dire à quelqu'un, hein. Faut pas dire à quelqu'un, je vais te donner de l'argent de temps en temps. Et puis, même, qu'est-ce que tu fais derrière lui là, même? Lui là, il peut t'apporter quoi? Et ta bouche, on dirait cul de vache. Quoi? Il dit, il n'y a plus. Oh. Non, Zoué. J'aime l'eau. Hein. Quand je bois l'eau, ça glace ma bouche. C'est chaud comme ça. Pourquoi tu suis que tu es en train de gâter ton étoile? Tu es en train de perdre ton temps avec lui là? Et puis, il ne te sera jamais reconnaissant. Moi, je peux te donner un conseil. Il faut te chercher. Faut pas que tu perdes ton temps avec lui. Tu vois? Bon, écoute, là, comme les gens t'attendent là, le petit gréat qui était fait, tout ça, faut garder ça comme souvenir, mais hein, tiens un peu d'argent, on va se voir après, tu vois, non? Au moment où tout le monde t'a libéré, là, faut voir comment tu peux venir, Pierre, hein, on va te parler, il y a des choses à te dire, il est bien te conseiller. Magasin, la va maudit. Donc, t'as pris la petite là, peut-être même que tu la mougou pendant au moins 2 semaines comme ça, hein. Et puis chaque fois que tu la mougou, oh, vraiment, une petite fille qui sait mougou comme ça, là, qu'est-ce que tu fais avec Manaya? Oh, vraiment, faut le quitter, faut plus lui là même s'il t'appelle, faut plus répondre, hein. Vraiment, lui là même, vraiment, est-ce que t'as déjà mougou même? Non, il m'a pas encore mougou, hein. Je vais essayer de m'approcher de lui, mais on dirait qu'il fait trop de malin. Non, faut pas te donner à lui là, hein. Là, oh, faut venir encore, tu sais, moi, ma femme n'est plus là-haut. Je suis un veuf. Je n'ai pas de femme. Donc, ça, là, mais c'est pas un péché. Oh. Je n'ai plus de femme. Oh. Donc, quand tu viens de temps en temps,
Non, peut-être que moi, un peu te marier, pas, j'aime les mesquines, les skinny comme toi, là. T'es comme ça que j'aime. Donc, peut-être que, hein, ta moula, peut-être, après, tu lui as dit, ferme ta bouche, ainsi, tu parles, je te tue. Il m'appelle Magasin Malassi. La petite est partie se cacher au village jusqu'à. Elle a pleuré avec tous les génies de son village. Et peut-être même que dans l'amusement, la même manade est au courant que tu es amour ou la fille. Dans lui, il s'est dit, eh, si j'ai affaire de Bougouli dedans, moi, il est rempli dedans, oh, restez dans votre coin. Et puis, manade a pris son chemin. Ça, là, tu ne peux pas dire aux gens, hein. Secret professionnel. Donc, maintenant, tu vois ton nom sort. Parce que tu ne savais pas que le petit allait à Paris. Tu es un faux prophète. Toi, tu n'es pas prophète. Dieu t'a jamais dit que le petit va aller à Paris. Le petit allait à Paris. Il a fait son show. Il est rentré. Et puis voilà l'affaire de Morissette. Si l'Esprit de Dieu pouvait descendre sur Morissette, sur plateau, là, et puis il va dire, je m'aimerais pas. Je m'aimerais pas. C'est ma cousine. Il m'a mou. Ah, mais mon cousin. Il m'a dit. Faut oublier de parler. Ah, mais il a confirmé. C'est ma cousine. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Mais comme Dieu même est sage, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là en disant aux gens d'arrêter de se déchaîner sur la petite Morissette. Elle est victime. Elle est victime de Makoso. Et Manadia a confirmé, c'est quelqu'un d'intelligent. Je crois que ce sont des gens qui font trop de tapage autour de l'enfant. L'enfant, je sais qu'il est reconnaissant. Il ne va pas en vouloir à cette fille-là. Il n'y a pas de problème. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Moi, j'ai regardé, elle est passée sur une émission, là, je l'ai vue, là, elle me faisait pitié. Laissez la petite-là tranquille, s'il vous plaît. Laissez-la tranquille. Elle a Mougou avec Manadia Confirmo. Elle voulait Manadia Confirmo. C'est une fille, c'est une femme. Toi, Anaconda, 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 Anaconda. Je t'ai appelé combien de fois? Anaconda. Ta bouche est partout. Eh, hey, faut te calmer un peu. Anaconda, calme-toi. Tu vas faire quand quelqu'un va se suicider un jour pour te donner. La petite l'a fait pitié comme ça, tu poses question. Oui, il paraît que tu es partie dans sa chambre. Et d'ailleurs, si elle est partie dans sa chambre, ça fait quoi? C'est une femme. Elle peut avoir envie. Manadia a confirmé, c'est un homme. C'est leur problème. S'ils veulent se marier, ils vont se marier. Vous posez des questions bizarres, bizarres. Vous emmenez la petite fille là comme ça. Tu arrives à faire de l'argent. Tu as demandé pardon. Ça, c'est entre eux. Laissez la petite là. Vous allez faire jusqu'à qu'on va avoir un drame en Côte d'Ivoire. On va entendre un jour que quelqu'un allait se suicider pour vous donner. Arrêtez ça. Pour les histoires de buzz, là, vous faites n'importe quoi. Arrêtez ça. C'est pas tout le monde qui est fort, qui peut supporter les pressions. C'est pas tout le monde. Laissez la petite fille là respirer. Cherchez un autre buzz, pardon. Laissez-la. Laissez-la. Manaya a confirmé, Adéa a eu ce qu'il veut. Il est en train, son nom a grandi déjà. Il est en train d'évoluer. Manadia a confirmé, vit sa vie. Mais bon, c'est quel problème vous voulez régler encore? Vous voulez régler quoi? Manadia a confirmé, vit sa vie. Il vient d'arriver de Paris, ça fait même pas deux jours. La petite est là. Au lieu de la prendre pour la consoler, de la manière vous avez soutenu Manadia a confirmé, soutenez-la aussi. Consolez-la. Vous êtes en train de crier, crier sur elle. Il y a quoi? Calmez-vous, frère. Calmez-vous. Ne faites pas la petite d'avoir se fait du mal. Elle est fragile. Quand moi je la regarde de loin, je sens une fille qui a été beaucoup traumatisée. Vous ne savez même pas si elle a été violée dans sa famille quand elle était enfant. Vous ne savez même pas si cette fille-là, elle a vécu des choses qu'elle ne peut pas expliquer en public. Et je ne sais même pas si ses parents vivent, si elle a perdu quelqu'un de cher dans sa vie que jusqu'à aujourd'hui elle pleure la personne. Vous ne savez pas quelle douleur elle a dans le cœur. Quand vous voyez cette jeune fille-là, elle ne vous fait pas pitié, franchement. Quand vous voyez la petite fille là, elle ne vous fait pas pitié. Elle n'arrive même pas à s'exprimer. Elle est fragile. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, de si mal? Elle allait sur un plateau, on lui a posé des questions. Celui que vous devrez attaquer, c'est Anaconda. C'est Anaconda qui allait lui poser des questions. Elle est obligée de se défendre. Elle est obligée de dire quelque chose. Elle est en public, sur un plateau de télé. On lui pose des questions.
Elle est obligée de dire quelque chose. Si elle n'a pas su dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est rien. Laissez tomber ça, pardonnez. Laissez la petite tranquille. Si vous voulez attaquer quelqu'un, c'est Makoso. Si vous voulez attaquer quelqu'un, c'est Anaconda. C'est tout. Laissez-la. Laissez-la tranquille. Je vous en prie. Laissez la petite là. Vous allez faire quoi? Un matin, on va attendre que quelqu'un s'est suicidé pour vous donner. À cause de waouh. C'est dès qu'il y a un truc, tout le monde est chaud comme ça. Maladie a confirmé, même, vous l'avez insulté, attaqué jusqu'à Dieu merci, il a envie, il avance. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc moi, je suis venu intervenir à cause de Makoso. Parce que Makoso, c'est un menteur. Et quand vous voyez Makoso même en parlant, vous remarquez que Makoso lui-même là, il est en train de se confesser qu'il a pris la fille de côté et qu'il a dit à la fille que elle, sa vie ne va pas se terminer avec Managia confirmée. Que si elle est intelligente là, elle n'a qu'à se chercher. C'est tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais vous laisser. Voilà. J'ai fini mon direct. Envoyez ça à Makoso. Dites-lui que Babe jaune, ton calme a décortiqué. Non, faut pas dire ça, Matt Kouaou. Faut pas dire ça, pardon. Je te demande pardon, faut pas dire ça. Je suis en train de lire le commentaire d'une sœur là qui dit, on l'a envoyé dire n'importe quoi à la télé. Elle n'est pas intelligente. Je pense qu'elle a eu le bac, non. Donc cela veut dire qu'elle réfléchit à cause d'argent. Elle va dire des bêtises. La petite, on lui a dit d'aller se coller à un truand. Bon, je n'ai pas compris ce que tu écris, mais je vous demande de mettre bas la terre. Moi, je rigole, je crie des fois, je dis des trucs, mais je suis un homme spirituel. Et je vais vous dire une chose. La fille que vous voyez là, elle souffre. On peut avoir bac, on peut avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Quelqu'un même peut être dans une famille de milliardaires, de multimilliardaires, être la fille du président de la République et puis souffrir. Chacun a sa douleur. La fille que vous voyez là, si plusieurs fois elle s'est fait violer en cachette, vous ne savez pas. Si elle n'a jamais eu quelqu'un qui l'a vraiment aimé et que les gens ont profité d'elle jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas. Si un jour dans sa famille, son propre frère, son propre oncle ou bien quelqu'un même l'a violé un jour, vous ne savez pas. Aujourd'hui, elle est perdue, vous ne savez pas. Donc, une manière de vous dire, ça doit être le réseau, c'est pas grave. Une manière de vous dire, une manière, ou bien c'est Makoso qui attaque direct là. Makoso, on va. Une manière de vous dire que, souvent, ne poussez pas les gens à bout. Laissez-la. Manage a confirmé que vous êtes en train de défendre, que nous tous, on avait défendu un moment. Il est dans la gloire. Quelqu'un est dans la gloire. Vous êtes en train de faire tout ce tapage là, ça sert à quoi? Il est déjà dans la gloire. Quelqu'un que Dieu a déjà vengé. Quelqu'un que Dieu a déjà élevé. Quelqu'un que Dieu est en train, hein? Quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Hein? Hein? Donc, vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Je peux répondre même à un commentaire. Moi, j'ai fini. Partagez le direct. Et mon direct, c'est contre Makoso. Voilà. C'est Makoso qui a mené la tête de la fille. Point. Donc, il s'est déjà confessé. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, il n'a qu'à arrêter de nous distraire. Voilà, j'arrête mon direct. Au revoir.